la boîte mémoire. La boîte mémoire de quoi? Moussa. De la sieste de Moussa? Oui. D'accord. Raphaël, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des images de Moussa. Oui. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces images? Parce que on a envie de les regarder. Oui, et quand tu regardes les images, ça t'apprend quoi? À bien reconnaître les mots. C'est la terreur. Et la terreur, c'est quoi? C'est quand on a peur. Voilà, quand on a peur. Refuser. Oui. Barrir. Oui. C'est très bien d'avoir retenu barrir. Rugir. Qu'est-ce que c'est le mot rugir, Raphaël? Ça veut dire quoi, rugir? Qu'est-ce qui rugit? Le lion. Voilà, c'est le bruit que fait le lion. Oui. Disparaître. Oui. Il ne sait pas trop. Tu l'aides? Oui, se carapater. Qu'est-ce qu'il fait le chien dans l'histoire quand Moussa l'appelle? Il siffle son chien. Oui, et qu'est-ce qu'il fait après le chien? Après le chien, il poste devant l'entrée. Voilà, donc c'est se poster devant l'entrée. Il arrive et il se place devant l'entrée. Se coucher sur son lit. Oui. Écraser. Grignoter. Martiller. Oui. Les yeux presque fermés. Ronronner. S'enfuir par la fenêtre. Oui. Aboyer. Oui. Arriver en trois bancs. Oui. Finir ses lits. Filer comme le vent. Et qu'est-ce que ça veut dire, filer comme le vent? Mais en fait, il y a les lions. Mais il a peur de l'éléphant. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il file comme le vent. Ça veut dire quoi alors, il? Il s'en aille. Il s'en va, c'est ça? Il s'en va, voilà. Il a trop peur de l'éléphant. Allez, on va les ranger dans la boîte mémoire.